Merci, Dolly. Vraiment, je pense que je vais changer de métier parce que vraiment, ces choses de contemporaine-là, tu t'assois contemporain, tu te lèves contemporain, tu grattes même la tête comme tu es assis là, on dit contemporain. Tu bavardes même un genre, on dit contemporain. Gars, les gars ne veulent plus faire la danse traditionnelle parce qu'ils disent qu'ils ne veulent que du contemporain. C'est même quoi le contemporain? Moi, j'ai dans Wanda. Regardez, il est déjà en train d'ajuster sa chemise. On va appeler que c'est du contemporain. J'ai décidé que je ne vais pas regarder mon gabarit. Voilà pourquoi moi-même, maintenant, je vais faire du contemporain. Regardez un peu. J'ai compris pourquoi les gars sont dehors là, ils veulent tacler le contemporain. Regardez, quand vous regardez les gars comme celle-ci, comment les gars ne vont pas faire du contemporain? Je wonder, toi-même, attends, dis-moi, là où ton cœur est là, ton cœur a l'os. Là où ton corps est là, ton corps ne réagit pas. Tu vas venir te frotter sur des gars comme celle-ci. Dis-moi toi-même, dis-moi, ton ouais là ne va pas se lever. Ok. Même quand ça se lève, hein, c'est du contempo. Ouais. Moi, j'ai décidé. Il faut que je devienne comme ça. En tout cas, je ne sais pas. Je vous ai dit que tout aujourd'hui, c'est du contemporain. Vous savez, on ne peut pas définir la danse contemporaine sans même dire ce que c'est que la danse. L'action que je viens de faire tout à l'heure, c'était la danse contemporaine. Même se déshabiller. Ah oui, c'est quoi la danse? C'est tout simplement un mouvement de corps. Quand tu exerces un mouvement de corps et que ton corps bouge de manière volontaire, tu appelles ça quoi? Quelle danse? La danse contemporaine. Ouais. Est-ce qu'on peut passer? Oui, on est déjà entré. Qu'est-ce que la danse contemporaine? Maman. Les danseuses vont nous tuer seulement. Regardez alors. Ou c'est pas la pala ou c'est pas par la pala. Mais c'est la danse contemporaine. Et à cause de toutes ces postures, beaucoup de gens se posent la question de savoir, ouais. C'est même quoi la danse contemporaine? Que toutes ces personnes... Regardez l'autre ici, où c'est la boxe. On va tous danser. Allons-y. Encore. Encore. Vous voyez que vous pouvez très bien définir la danse contemporaine sans tout le temps vous poser des questions comme quoi c'est même quoi la danse contemporaine? C'est même quoi la danse contemporaine? C'est une danse qui est née vers le début du 19e siècle. Ah oui, parce que les gens faisaient la danse classique, la danse moderne. Alors les gens ont dit qu'ils en ont marre. Après, tout le monde évolue, non? Le monde évolue, n'est-ce pas? Le monde évolue, non? Alors ils en avaient marre. Ils ont dit que dorénavant, on va laisser cette danse traditionnelle. Regardez comment elles sont jolies. Mais les gens ont dit que non, l'autre aussi ne baille pas. C'est la contemporaine qui baille. Alors ils ont dit qu'ils vont laisser cette danse-là pour faire la contemporaine. Qui est comment? Qui a été instituée par les grands danseurs comme Pina Bausch,
elle était parmi les personnes qui étaient les précurseurs de cette danse-là. Parce qu'il fallait sortir du cadre formel pour entrer dans ce que quelqu'un peut mieux comprendre. Ce que tu peux bien comprendre, ce que ton imagination peut créer, ce que ton corps peut créer. La preuve, je suis arrivé ici en pantalon avec une chemise bleue. Me voici en tenue de danse contemporaine. Peut-être avant qu'on ne finisse, je serai même également aussi nu comme ce que nous avons vu tout à l'heure. Maintenant, comme si cela ne suffisait pas, il faut que dans le contexte camerounais, que les gens essayent de faire la différence entre la danse patrimoniale, qui est encore appelée la danse traditionnelle, puisque nous avons défini la danse en nos termes. Nous avons défini la danse contemporaine. C'est quoi alors la danse patrimoniale? Tous les gens disent la danse patrimoniale. Même comme on dit, le piment dans la sauce. Le piment, le piment. On danse le genre là comment? Vous me montrez-moi. Oui, on danse comment? Danse, je vois. Que quelqu'un danse, je vois. Et là, elle se secoue comme ça. Quand elle se secoue comme ça, on appelle ça la danse patrimoniale. Peut-être si tu ne comprends pas ce que fait que la danse patrimoniale. Patrimoniale vient de patrie. Et cette danse, très souvent, c'est basé sur des rites. Peut-être si tu es dans une socioculture et que tu es petit, par exemple, tu vas danser quoi? Tu vas danser quoi? Le bikutsi. Qui peut me dire ce que veut dire le bikutsi? Quand je fais comme ça, quelqu'un peut m'expliquer? Et pourquoi quand je fais comme ça pour faire ma danse contemporaine, vous commencez à dire tout est devenu contemporain. Ton problème là, c'est quoi même? Hein? Ton problème, c'est quoi? Je vais vous dire quelque chose de très, très important. Que la danse contemporaine permet aujourd'hui de vendre notre culture. Oui, parce que quand tu fais la danse contemporaine, tu peux faire un solo ou un duo. Est-ce que dans la danse traditionnelle, tu peux faire un solo ou un duo? On ne va même pas lire ce que tu es en train de faire. Imaginez quelqu'un qui arrive ici et qui veut faire le Ben Sikin qui danse seul. Ou qui veut faire le, je ne sais pas, qui veut danser le mangambe, la personne est là seule. On va acheter comment? Dans la danse contemporaine, tu n'as pas besoin de tous ces artifices-là. Seul sur ton coin, tu vas faire ta chose. Voilà pourquoi nous avons un danseur ici qui va nous faire quelque chose et nous allons voir. On n'est pas seulement là pour présenter. C'est un contemporain, son chapeau est contemporain, sa tenue est contemporaine. Les gens pensent très souvent que la danse contemporaine n'est pas une danse des rangs. Ils pensent que la danse contemporaine est mythique parce que eux-mêmes ils sont mystiques. La danse contemporaine permet la collaboration artistique du nord au sud, du sud au sud et du nord au nord. Ça permet de vendre notre culture car avec la danse contemporaine nous pouvons parler un même langage car le monde étant devenu un village planétaire. Alors promouvoir la danse contemporaine dans le contexte camerounais, c'est promouvoir la culture camerounaise et bien également promouvoir la danse contemporaine dans le contexte camerounais, c'est également pouvoir donner à manger à ces danseurs qui utilisent leur tête, qui utilisent leur cerveau. Est-ce que vous pouvez applaudir pour la danse contemporaine ?